Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence. Tu es notre Seigneur et notre Roi, Seigneur, révèle-toi à nous. Merci Seigneur de nous faire voir ta gloire. Merci Seigneur de manifester ta puissance dans nos vies. Nous t'invitons, ô Maître du ciel et de la terre, que ton Esprit Saint nous conduise, que ton Esprit Saint nous guide au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, merci. Nous sommes Alpha. Dieu te bénisse. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Dieu plein de tout temps. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous te disons merci, éternel Dieu, tout puissant. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous reconnaissons que tu fais tout, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre présence. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir.
Merci Seigneur pour ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, éternel Dieu tout-puissant. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, Dieu grand et redoutable. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Seigneur, révèle-toi à nous, ô Dieu tout-puissant. Manifeste ta gloire dans nos vies, manifeste ta puissance, manifeste ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi à nous et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Bénis, tendre Père, ce moment. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Voilà, bien-aimés dans l'océan, nous allons ce soir, bien-aimés, prier, bien-aimés dans l'océan, pour détruire les hiboux comme oiseaux dévoreurs spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, les hiboux, bien-aimé, je vois, c'est un animal que Dieu a créé, Mais, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a une particularité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a créé pour commettre ses forfaits. Nous voyons, par exemple, les serpents. Satan, le diable, a utilisé les serpents. Depuis les jardins d'Éden, il a utilisé les serpents, bien-aimés dans le Seigneur, la ruse du serpent. Eh bien, aussi bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi, la même tactique, bien-aimés, il utilise certains oiseaux dans leur nature, dans leur caractère naturel. Ouais, n'est-ce pas? Dans leur caractère naturel, il passe par la bien-aimés dans le Seigneur pour commettre ses forfaits. D'abord, les hiboux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un animal, on dit bien, c'est un oiseau. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas l'aigle, l'offret et l'aigle de mer. Le verset 14, Lévitique 11, les milans, l'autour et ce qui est de son espèce. Le verset 15, les corbeaux et toutes ses espèces. Le verset 16 de Lévitique 11, l'autruche, les hiboux, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Et le verset 17, on dit les chat-huant, le plongeon et la chouette. Le plongeon et la chouette, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans d'autres versions de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit les hiboux, que ce soit la chouette, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont, on les interchange. Hein? Ils sont interchangeables. Par exemple, dans les versions 70, hein, on appelle ibis, et dans les targoum et la version syriaque, par exemple, on parle de hiboux. Vous voyez, donc, chouette et hibou, d'ailleurs, quand vous le regardez, bien-aimés, ces deux oiseaux sont presque la même nature. Mais la particularité, bien-aimés, de ces oiseaux, ce sont des oiseaux, bien-aimés, qui hantent les décombres. Ce sont, bien-aimés, des oiseaux qui aiment bien rester dans les ruines. Voilà, bien-aimés, pourquoi Satan les utilise. Ils aiment bien rester dans les ruines. Parce que, bien-aimés, Satan est le spécialiste des ruines. Il veut, bien-aimés, dans le sol, partout là où il passe, bien-aimés, qu'il sème la ruine. Alléluia. Satan aime bien, bien-aimé dans le Seigneur, il aime bien semer la ruine. Il aime bien ruiner, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il aime bien semer la ruine. Bien-aimé, Satan aime bien ruiner. Et la Bible le dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, bien-aimé, il vient. Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Hein? Mais l'ennemi, bien-aimé, lui, ce n'est pas le cas. Lui, il est venu, bien-aimé, dans le Seigneur, pour ruiner. Le but du diable, bien-aimé, c'est de ruiner. Ruiner les humains. Ruiner, bien-aimé, les sentiments. Ruiner les émotions. Ruiner les finances. C'est pourquoi, version dit, le verset 10 de Jean 10, nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, comme c'est un animal, bien-aimé, qui aime bien, n'est-ce pas, ou ce sont des oiseaux qui aiment bien rester, dans, qui aiment bien les décombres, qui aiment bien les ruines. Bien, Satan, le maître de ruines, bien-aimé dans le Seigneur, le maître des ténèbres, le maître de ruines, eh bien, il passe bien à travers de ces oiseaux pour semer les ruines, pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Dans, que ce soit dans Esaïe, on dit les pélicans et les hérissons les poseront, la chouette et les corbeaux les habiteront, on étendra les corps dans les oiseaux. La désolation est le niveau de la destruction. On y étendra les cordeaux de la désolation
et les niveaux de la voie, les pélicans et les hérissons. Donc, quand vous suivez jusqu'au verset 15 de Ésaïe, Ésaïe 34, on arrive, on voit bien aimé dans l'océan qu'effectivement, ça soit les hiboux, ça soit la chouette, bien dans l'océan, ce sont des oiseaux qui aiment bien rester, n'est-ce pas, dans les décombres, dans les ruines. Voyez-vous bien aimé dans l'océan. Donc, ce sont des oiseaux de mort, spirituellement parlant. Ce sont des oiseaux de mort. Des oiseaux bien aimé dans l'océan néfastes, voire même des oiseaux fantomatiques, des oiseaux démoniaques. Alléluia. Et ces oiseaux sont généralement utilisés par des sorciers. Et ce sont des oiseaux qui représentent parfois des divinités de la mort dans certaines mythologies. Ces oiseaux représentent les divinités de la mort. Ce sont des oiseaux compagnons des sorciers. Les sorciers aiment bien utiliser les hiboux ou la chouette. Parce que ce sont des oiseaux généralement la nuit. C'est la nuit qu'ils œuvrent. Les hiboux, bien aimé, c'est un oiseau, bien aimé, qui aime bien œuvrer la nuit. C'est ça, la vie, bien aimé, dans le Seigneur, du hibou. C'est la nuit, bien aimé, dans le Seigneur. Eh bien, Satan, bien aimé, dans le Seigneur, il est le maître des ténèbres. Maître des ténèbres. Vous voyez, n'est-ce pas? Satan, bien aimé, dans le Seigneur, est le maître des ténèbres. Les hiboux, bien aimé, dans le Seigneur. Autre appellation, on l'appelle le chat huon. Hein, différent de la chouette. Hein. On appelle autrement les chats huon. Hein. Donc, bien dans le Seigneur, ce sont des rapaces. Voyez-vous bien les rapaces. C'est vrai, ils n'ont pas de dents, mais leur gloutonnerie sanguinaire équivaut bien aimé à un croquage. On appelle autrement croque. Ce sont les oiseaux bien aimé qui croquent. Qu'on associe bien sûr au mystère, n'est-ce pas, au mystère des maléfices ou au mystère de la mort. Bien aimé dans le Seigneur, les hiboux, que ce soit chouette, mais ce sont des oiseaux nocturnes, carnivores, avec bec crochu, bien aimé dans le Seigneur. Les becs, c'est pour croquer, les becs, c'est pour tuer. Même s'ils n'ont pas de dents, bien aimé dans le Seigneur, mais leur gloutonnerie sanguinaire équivaut, bien aimé dans le Seigneur, au croquage. Ils ont, c'est vrai, des serres. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé dans l'océan, ces oiseaux, bien aimés, que ce soit dans la plupart des mythologies, bien aimés, sont utilisés, bien aimé, dans l'océan par les sorciers. Ils n'aiment pas affronter la lumière du jour. Alléluia. Bien aimé, cet oiseau, bien aimé, dans l'océan, les hiboux, que ce soit la chose, c'est symbole de la tristesse, symbole de l'obscurité, bien aimé, symbole de la solitude, symbole de ce qui est mélancolique. Et c'est ça, bien aimé dans l'océan, c'est que Satan veut semer dans les vies des gens. La tristesse, Satan met l'obscurité, Satan amène la solitude, bien aimé. C'est que veut rendre les gens solitaires, la mélancolie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un oiseau qu'on associe, bien aimé, à la sorcellerie. Bien aimé, l'hibou, bien aimé, est associé, bien aimé dans le Seigneur, au pouvoir des défunts. De ceux qui sont déjà morts. Au pouvoir des défunts, de ceux qui sont déjà morts. Donc, lorsque vous faites des rêves, vous voyez, bien aimé, que ce soit les hiboux, que ce soit, bien aimé, la chouette, bien aimé, il faut associer ça, bien aimé, à une attaque de la sorcellerie, à une attaque, bien aimé, des esprits des morts. Il faut s'élever dans la prière. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé, comment on le représente, bien aimé, avec ses oreilles, avec son bec crochu, bien aimé, c'est le symbole du diable. Bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Alléluia. D'ailleurs, quand tu regardes seulement les hiboux, bien aimé dans le Seigneur, vous sentez, bien dans le Seigneur, que vous avez affaire à un oiseau un peu bizarre. Vraiment bizarre, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé,
On associe, bien évidemment, au Seigneur cet oiseau. On l'associe à la sorcellerie. On l'associe, bien évidemment, à ce qui est fantomatique, ce qui est, bien évidemment, ce qui est démoniaque. Et la sorcellerie, bien évidemment, utilise bien évidemment, les oiseaux pour attaquer les vies des gens. Les sorciers, bien aimés, les sorciers passent par cet oiseau pour semer la mort, amener la mort dans les vies des gens. Je dis bien, amener la mort dans les vies des gens. Regardez. Le psaume 102, le verset 7. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. C'est ça l'hibou, bien aimé dans le Seigneur. L'oiseau solitaire sur un toit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons dit, bien-aimés, ce soir, nous voulons nous lever contre, détruire les hiboux comme oiseaux dévoreurs. C'est un oiseau qui vient pour semer la mort sur le plan financier, la mort sur le plan matériel, la mort sur le plan spirituel, la mort, bien-aimés dans le Seigneur, la mort sur le plan physique. Donc la sorcellerie passe, bien-aimés dans le Seigneur, parfois c'est cadré de ces oiseaux. Parfois ce sont des attaques à travers les rêves. Parfois ce sont des attaques physiques que vous voyez peut-être un oiseau, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre parcelle ou tout autour de vous. Pour dire, bien-aimés, qu'ils viennent pour amener la mort. Je ne dis pas être obnubilé lorsque vous voyez, n'est-ce pas, un hibou, quelqu'un vous dit, oh ça c'est la mort. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut avoir le discernement spirituel pour comprendre si réellement, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les puissances occultes qui veulent semer la mort. Dans un coin donné. Ça symbolise la mort, la puissance de la société qui cherche absolument à nuire, à détruire. Alléluia. Je dis bien, à nuire, à détruire, bien aimé dans le Seigneur. Ouais. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle à ouvrir les yeux. Pour ne pas, bien aimé dans le Seigneur, nous laisser entraîné, bien aimé, dans l'océan par ces oiseaux. Symbole de la magie, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, bien aimé, c'est un oiseau, bien aimé, qui est lié à tout ce qui est surnaturel, à la magie, à la spiritualité, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, ne soyons pas distraits. Lorsque, bien aimé, le monde occulte veut semer la tristesse dans une famille, veut semer l'obscurité, bien aimé, les deuils. Je me rappelle, là où moi j'ai grandi, quand on voyait les hiboux quelque part, dans une parcelle, et généralement, bien évidemment, généralement, ce n'était pas, généralement, vous allez voir un peu de temps après, bien évidemment, il y a la mort. Ou si quelqu'un était malade, donc c'était, bien évidemment, un signe comme quoi, que la mort, cette personne ne va plus survivre, cette personne mourra. Je dis bien, généralement, dans le cas où j'ai grandi. Alors, on voyait un hibou, bien aimé dans le Seigneur. C'est que, il y a la mort. Même si tout va bien, et quelques temps après, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir qu'il y a, la mort va s'en suivre. Il y aura la mort dans cette famille. Il y aura la mort dans ce quartier. Il y aura la mort dans ce coin. Il y aura toujours quelque chose de triste, de malheureux. Alléluia. Il y aura quelque chose de triste, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose d'obscur. Quelque chose, bien aimé, de mélancolique. Bien-aimés dans le Seigneur, les hiboux, que ce soit même pour les Romains, les cris des hiboux, parfois des cris, bien-aimés dans le Seigneur. Chez les Romains d'ailleurs, les cris des hiboux présageaient une mort prochaine. Voilà ce que je viens de dire. Présageaient une mort prochaine. Parce que, bien-aimés, les hiboux étaient associés à la sorcellerie et à la magie noire. À la magie destructrice, à la sorcellerie. Alléluia. D'ailleurs, il est dit qu'il annonce la mort. Et on dit toujours, quand un hibou chante quelque part, l'Indien meurt. Hein, c'est un dicton. Quand les hiboux chantent, l'Indien meurt. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous voulons nous lever, bien aimé dans le Seigneur, contre les attaques, n'est-ce pas, bien aimé, aux hiboux. Alléluia. Donc, briser la puissance de la sorcellerie à travers les animaux qui viennent pour semer la mort. Mais heureusement, bien aimé dans le Seigneur,
Nous avons Jésus est mort à la croix pour nous. Nous croyons à la victoire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si il y a des attaques quelque part dans le monde occulte, nous croyons à la victoire dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Nous n'avons aucun doute. Le pouvoir est là. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Même les attaques, bien-aimé dans le Seigneur, à travers les hiboux, les attaques, bien-aimé, à travers les oiseaux de proie, nous n'avons, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas peur parce que nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir nous a été donné. Je vois si je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Même cette puissance à travers les hiboux, la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du mal, l'esprit des morts, alléluia, la sorcellerie, la magie noire, la sorcellerie qui vient pour semer la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous croyons à la victoire dans le nom de Jésus, parce que le pouvoir nous a été donné. Alors, ça peut arriver même d'ici, il a déjà semé la mort. Vous savez, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Je parlais avec quelqu'un, un bien-aimé avec qui on a prié il y a quelques jours, hein, qui m'a dit, pasteur, j'ai fait un rêve surréaliste. Bien-aimé dans le Seigneur, El Sauveur est en train de l'enterrer. Un pied, bien-aimé dans le Seigneur, en train d'être enterré, un pied dans le trou. Mais elle était choquée de voir deux personnes qu'elle ne voyait pas le visage la tirer, bien-aimé dans le Seigneur, de la tombe là où elle était en train d'être enterrée vivant. Bien-aimé, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas de la rigolade. Mais quelques jours avant, bien-aimé dans le Seigneur, elle a vu, bien-aimé dans le Seigneur, deux personnes, bien-aimé dans le Seigneur, venues de manière un peu mal habillée, sale, avec, bien-aimé, des anciens véhicules très sales aussi, très ancien, très sale, qui ne roulait même pas, mais avec un membre de la famille qui était déjà décédé à côté, qui venait pour entrer, et elle entend la voix de quelqu'un d'autre qui dit, voilà, allez-y pour voir là où elle habite. Et puis elle a fermé la porte. Je lui ai dit, ça c'est la mort. On venait pour te prendre, l'esprit de mort. La personne, le membre de la famille qui est déjà décédé, n'est-ce pas? Les deux personnes qui sont encore en vie, c'est les personnes que l'ennemi utilise. Passant par ces personnes, n'est-ce pas, pour venir semer la mort dans ta vie, dans ta maison. Bien dans le sens, quand cet esprit vient, tu vois, ça c'est un membre de famille qui est déjà décédé, c'est un esprit, c'est l'esprit d'un mort. Quand on amène cet esprit dans ta vie, bien dans le Seigneur, tu peux tout faire. C'est là où certaines personnes se suicident. Tout ce que tu feras, ça ne marchera pas, bien dans le Seigneur. Ça ne marchera pas, tout ce que tu feras. Au point même, bien de pouvoir, tu peux même arriver à te suicider, te donner la mort. Parce que c'est l'esprit d'un mort, il est en train d'agir. Quand c'est le mariage, le travail, tu arrives là, tu crées un problème, pouf, ça casse, on te chasse. Donc, c'est pour la mort, partout là où tu passes, c'est pour ça, ça sèmera la mort. Et deux jours après, bien dans le Seigneur, pendant qu'on a terminé la prière, elle a fait ses rêves, elle était entrée. On a pris le pouvoir, on a proclamé le pouvoir de la résurrection. Elle s'est vue en train d'être enterrée. Et puis deux personnes la soulèvent. Bien dans le Seigneur, ne jouez pas. Hein. Et je ne veux pas, il y a des gens qui on est un peu taré, tout ça, c'est pas grave. Mais on a vu, il y a quelqu'un qui me disait une fois, pasteur, j'ai vu, on était en train de m'enterrer. Mais la personne a connu la mort. La personne me dit, pasteur, j'ai vu, on a fait un cercueil et j'étais en train d'être mis dans les cercueils. Je vous assure, dans le Seigneur, la personne est décédée. Ça a pris quelques années après, je crois peut-être 5 ans, 6 ans après, la personne est morte. Encore forte dans son corps. J'ai vu un cercueil. Et elle-même, elle dit, je me suis vu moi-même aller entrer dans les cercueils. Et avant sa mort, elle-même, elle a dit, je crois que je vais mourir. Elle est partie. Durant sa maladie, elle dit, non, je trouve que je ne survivrai pas, je vais mourir. Elle a fait sa prière, elle est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever contre la puissance de la mort. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu dois t'élever pour détruire la puissance de la sorcellerie.
Cette magicienne, bien-aimée, cette sorcière, bien-aimée, passe à travers, bien-aimée, les hiboux comme oiseau dévoreur spirituel. C'est pourquoi j'ai ajouté le titre, hein, oiseau dévoreur spirituel. Parce qu'il ne faut pas voir tout hibou. Ah, c'est les sorciers. Non, non. Oiseau dévoreur spirituel. Tout serpent n'est pas diable. Mais Satan a utilisé les serpents. Et on appelle serpent. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, c'est bien faire cette petite nuance pour ne pas amener les gens à la hantise en voyant les hiboux en disant « Ouah, c'est les sorciers, les hiboux qui apparaissent quelque part. Ouah, c'est les sorciers. » Non, 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 non. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre parfois le message. C'est là que nous devons, mesdames, être réveillés spirituellement pour ne pas nous laisser entraîner par la puissance de la sorcellerie, et par la distraction. La Bible dit « Soyez sobres. » Alléluia. Soyez prudents comme les serpents, simples comme la colombe. Nous devons avoir de la sagesse pour comprendre certaines choses spirituelles. Alléluia. Donc, si on nous envoie cette arme, je vous assure, bien dans le Seigneur, il y a quelques années, j'ai vu, en sortant de chez moi à la maison pour aller déposer mon épouse au travail, moi, j'ai revenu pour m'apprêter afin de pouvoir aussi aller travailler. Bien dans le Seigneur, je la dépose, je reviens. En revenant, je vois un oiseau mort devant la porte de ma maison. Je dis, mais c'est bizarre. Comme un genre moineau, tout ça. Je dis, noir. Je dis, c'est bizarre. Comme c'était juste devant la porte de la maison. Je prends, j'amène derrière. Il était déjà mort. J'amène derrière. Je dis, voilà. Je viendrai après pour les brûler. Voilà, bref. Je suis parti. Au retour, j'ai terminé le travail. Je suis allé, j'ai pris mon épouse. Au retour, ça m'est sorti de la tête. Au moment où j'ai voulu l'expliquer, mais écoute, j'ai vu un oiseau, je vois un autre oiseau maintenant à l'entrée de la parcelle. Là, c'était à l'entrée de la porte. Là, c'est la porte de la maison. Là, c'est maintenant l'entrée, bien dans l'entrée dans le parking, l'entrée du garage. Je dis, attends, c'est le même oiseau ou quoi? Je dis, enfin, je me regarde, il y a un oiseau là. Elle me dit oui. Et puis, j'ai trouvé un autre qui était mort juste devant la porte de la maison. Non, non, c'est pas celui que j'ai. Non, non, ça c'est un autre. Bien-aimé, on le prend, on arrive derrière. J'ai trouvé celui qui était déjà mort le matin quand je suis revenu. Là, c'était vers 14h. Deux oiseaux. Bien-aimé, la veille, je dis bien la veille, mon épouse a fait un rêve. Là, on était en train de faire l'onction d'huile dans la parcelle. Elle m'a dit, ah, regarde, j'ai fait un rêve. C'est quand même bizarre. J'ai dit, non. J'ai dit, viens, la nuit, ce même jour-là, la nuit quand elle a fait le rêve, maintenant, dans la journée, le soir, j'ai pris mon épouse, on a commencé à prier dans toute la parcelle, on a fait un tour de la parcelle, j'ai fait l'onction d'huile à des endroits, tout au long de la muraille, tout au long de la parcelle, certains arbres. On a beaucoup d'arbres ici dans notre parcelle. J'ai fait l'onction d'huile en priant, en déclarant des paroles. Et le lendemain, et la nuit, cette nuit-là, c'était vers 19h, 18h, 19h, qu'on a fait 18h, 17h, je sais pas, bref, on a fait l'onction d'huile. Et c'est le lendemain matin qu'on a trouvé les deux oiseaux morts devant. Est-ce une coïncidence? Je n'en sais rien. Mais la première fois qu'on a trouvé les oiseaux, l'un devant la porte de la maison, l'autre va venir vers l'entrée du garage. Je l'ai mis dehors, on les a brûlés. Les oiseaux de la mort. Mais une fois, on me disait que ce sont les oiseaux de la mort. Vous voyez, mesdames et messieurs, les oiseaux dévoreurs spirituels. Le rapace, mesdames et messieurs, qui n'ont pas des dents. Mais, bien mesdames et messieurs, ils ont le bec pour tuer. Ils ont la gloutonnerie sanguinaire. Qui ont la capacité même de croquer, mais qu'on associe même aux esprits démoniaques, aux esprits maléfiques, aux esprits des morts, aux divinités des morts pour semer la mort, aux esprits des défunts, les gens de l'au-delà. Dans la mythologie grecque, les hiboux étaient associés bien dans le Seigneur aux défunts de l'au-delà. Je dis bien, chez les Romains, les cris des hiboux présageaient dans la mort. Chez les Romains, mesdames et messieurs, il était associé à la sorcellerie et à la magie. Chez les Romains, c'est pas chez les Africains, c'est pas chez les Congolais, chez les Camerounais, chez les Togolais, non, chez les Romains, les cris des hiboux présageaient une mort prochaine. Il était associé à la sorcellerie et à la magie noire. Chez les Romains.
Chez les Amérindiens, les Ibois a le pouvoir de donner aide et protection la nuit. Et là, on emploie bien les plumes du hibou dans les cérémonies rituelles. Bienvenue dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est pas de la blague. Et par son cri, les hiboux, par son cri nocturne inquiétant. Vous savez, les hiboux ont des grands yeux scrutateurs. Et les hiboux, c'est toujours, vite, toujours en retraite. Alléluia. Voyez, bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi cet oiseau carnivore, alléluia, mangeur de chair, buveur de sang, symbolise bienvenue dans le Seigneur. Le mystère des maléfices. Les mystères de la mort. Les esprits des morts, les esprits destructeurs. Nous allons venir me prier le Seigneur. Pour dire merci Seigneur pour la vie. Et merci Seigneur pour ta protection. Contre les oiseaux de proie. Les hiboux ou la chouette ou les chats huants. C'est pareil. Hein? Nous allons venir dans le Seigneur et élever nos voix. Pour dire Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ta protection. Alléluia. Tu peux dire, bienvenue Seigneur. Dis merci. Commence à louer Dieu, n'est-ce pas, pour la vie. Commence à louer Dieu pour sa protection, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Bienvenue, loue Dieu pour la vie. Loue Dieu pour sa protection. Bienvenue, c'est lui qui nous protège pendant que nous dormons. Je vous ai dit tout à l'heure, allez lire ça sur Wikipédia. C'est pas une information à cacher. Lisez, bienvenue, Ibou sur Wikipédia. Il va vous donner, dans la mythologie grecque. Dans la mythologie romaine, bien-aimé dans le Seigneur. Chez les hindous, chez les bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on dit, c'est dans la mythologie grecque, il est également l'interprète d'Atropos, celle de Moire qui coupe le fil de la destinée. Qui coupe le fil de la destinée. Vous voyez, bien dans le Seigneur. C'est ça la puissance de la sorcellerie. La mort. Là où j'ai grandi, bien dans le Seigneur, c'était quand on entendait les cris des hiboux, bien dans le Seigneur, c'est qu'il y avait la mort. La mort prochaine était là. Si quelqu'un était malade, bien dans le Seigneur, on savait qu'il n'avait plus d'espoir. Mais bien, nous avons les dieux qui protègent. Bien, mais Dieu nous protège. C'est pourquoi, bien, mais même si c'est une arme qui est utilisée, ces oiseaux sont des armes utilisées par la sorcellerie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parfois, mais si tu vois cet oiseau, n'est-ce pas, dans ton rêve, ce sont des malédictions qu'on envoie dans ta vie. Malédiction de mort, malédiction de destruction, malédiction de maladie. Dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, qui fabrique une arme par son grain. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Bien dans le Seigneur, nous sommes bien les destructeurs des puissances maléfiques. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Voilà, bien dans le Seigneur. Il a dit, sous l'on forme des complots. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, bien-aimé. Si ce sont des. On a comploté contre toi dans le monde de la sorcellerie. On a envoyé, bien-aimé, les oiseaux de mort, les hiboux, bien-aimé, dans le Seigneur, pour venir semer la mort dans ta vie, dans ta vie. Bien-aimé, qu'il tombe sous ton pouvoir. Que le feu de Dieu le neutralise autour de ta parcelle. Qu'il n'ait aucune entrée possible. Parce que, bien-aimé, dans le Seigneur, ta parcelle, il y a une haie de feu autour de ta parcelle. On avait fait venir dans le Seigneur l'onction d'huile. Ils sont venus dans le Seigneur, ils sont tombés. À l'entrée des deux portes. La porte d'entrée de la maison, la porte des parkings. Les deux oiseaux.
Alléluia. Rendons grâce à Dieu, mesdames le Seigneur. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, béni pour la protection. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu, pour ta protection. C'est toi, l'éternel, le Dieu qui nous protège. Tu nous protèges, grand roi de l'univers, contre la mort. Merci pour ta protection. Tu protèges ma famille. Tu protèges ma maison. Tu protèges mon frère. Tu protèges ma soeur. Tu protèges ton peuple. Tu protèges ton église. Je voudrais te dire merci pour ta protection au nom puissant de Jésus. Merci de nous protéger contre la puissance de la mort. Merci de nous protéger contre les esprits des morts. Nous te disons merci pour toute ta protection au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu qui nous protège, merci pour ta protection. Merci éternel notre Dieu de protéger nos vies, de protéger nos familles, de protéger notre destinée, de protéger tendre Père, ton église, de protéger ton peuple. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta protection. La protection à travers le sang de Jésus. La protection à travers la haie de feu, la haie du Saint-Esprit. Merci de nous protéger, grand roi de l'univers, face à toutes les attaques occultes, face à toutes les attaques surnaturelles, visibles et invisibles. Merci de nous protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta protection, maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci tendre Père. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Mais tout arbre où se cache, mais les oiseaux de proie. Alléluia, mais que cet arbre, mesdames et messieurs, que cet arbre soit coupé, déraciné, mesdames et messieurs, consumé. Mais secoué, tout arbre où se cachent les oiseaux de proie, mesdames et messieurs. Alléluia, rappelez-vous, mesdames et messieurs, du rêve. Alléluia, de Laurent Abkarasar, n'est-ce pas, il y avait un grand arbre où venait, mesdames et messieurs, se cacher les oiseaux. Mesdames et messieurs. Tout arbre, c'est le lieu là où, là où les sorciers vont se concentrer, là où ils vont se cacher, là où ils vont faire leur réunion culte. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un une fois, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, j'ai fait un rêve surréaliste. Il dit, il se voit bien dans le Seigneur, on l'a pris comme un esprit, comme l'apôtre Jean. Il a sillonné la ville, sa ville là où il habitait. Il ne voyait pas la personne, mais il était avec quelqu'un qui lui a fait sillonner la ville. Et puis il lui a dit, je vais te faire descendre à un endroit. Tu vas voir ce qui se passe dans cet endroit-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Et sur, dans un quartier, il connaît bien le quartier. Hein? Dans un quartier de la ville là où il habitait. Il voit, bien-aimé dans le Seigneur, il descend dans le quartier et il se retrouve, bien-aimé, comme dans un champ. Et il voit, bien-aimé, à côté du champ, il voit un arbre. Et sous l'arbre, bien-aimé dans le Seigneur, il voit son frère et sa soeur en dessous de l'arbre, nus. Et la voix lui dit, je voudrais te faire voir ce qu'ils sont en train de faire là. Ta soeur, sa frère et son frère, hein, et sa soeur et son frère, hein, descend. Mais naturellement, comme ça, les jours, ce sont des frères et soeurs, il n'y a rien, pas d'inceste, mais nu, bien aimé, en dessous d'un arbre, ça veut tout dire. Il regarde ces gens. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu, il nous révèle les choses cachées. Donc c'est l'arbre là où ils allaient, bien aimé. La sorcellerie, bien aimé, les gens ont toujours un endroit là où ils se réunissent. Il y a toujours un endroit local. Là, ils vont se réunir. Et nous allons prier. Alléluia. Que tout arbre, arbre maléfique, où se cachent les oiseaux dévoreurs, où se cachent les sorciers, que cet arbre soit consumé au nom puissant de Jésus. Déraciné et consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur, avec la hache de feu. Nous allons invoquer trois fois le feu du Saint-Esprit. Un des trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons le feu de vos rangs. Le feu du Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci pour le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, je vais déraciner tout arbre, c'est notre Dieu. Tout arbre maléfique. Tout arbre, c'est abritant les oiseaux dévoreurs. Les oiseaux de tendre Père. Que l'arbre abritant les oiseaux dévoreurs soit conçu, soit déraciné. Consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame la victoire
de l'œuvre de la croix, Dieu Tout-Puissant, tout arbre maléfique, tout arbre occulte, tout arbre, c'est le Dieu, servant d'abri des sorciers, qu'il soit de ma famille, de ma belle famille, qu'il soit du quartier, qu'il soit tendre père, de n'importe où, tout arbre maléfique, servant d'abri des sorciers, chargé d'attaquer ma vie, chargé de nuire à ma vie, que cet arbre soit consumé, que cet arbre soit déraciné, au nom puissant de Jésus, avec la hache de feu, avec la hache de feu, je déracine tout arbre maléfique, servant d'abri des sorciers, servant d'abri des oiseaux dévoreurs, que cet arbre soit déraciné, au nom puissant de Jésus, je déracine tout arbre maléfique, Dieu Tout-Puissant, servant d'abri des sorciers, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé en Golgotha, les dieux de victoire, merci pour ta victoire, que le feu du Saint-Esprit consume tout arbre maléfique, servant des repères des oiseaux de proie, des repères des sorciers, que tout arbre maléfique servant des repères des sorciers soit consumé, soit neutralisé, Dieu Tout-Puissant, alléluia, que tout endroit servant des repères des sorciers soit consumé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, bienvenue dans le Seigneur, les hiboux bien-aimés, ils aiment les lieux solitaires, les lieux bien-aimés de ruines. Mais nous allons prier, bien-aimés, que tout lieu bien-aimé servant des repères, n'est-ce pas, bien-aimés, alléluia, servant des repères, des repères, bien-aimés, des sorciers, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, bien-aimés, que cet endroit-là soit neutralisé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, que la foudre du Saint-Esprit neutralise cet endroit, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit, les trois, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, bien-aimés, détruire tout temps, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, tout endroit servant des repères, n'est-ce pas, bien-aimés, aux sorciers, bien-aimés, aux oiseaux de proie, alléluia, tendre Père, nous invoquons la foudre du Saint-Esprit pour neutraliser tout endroit servant des repères, alléluia, alléluia, servant des repères, alléluia, aux oiseaux de proie, servant des repères aux sorciers, que tout endroit leur servant des repères, que tout endroit leur servant des cachettes soit neutralisé. Alléluia, par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit détecte, que le feu du Saint-Esprit découvre, tendre Père, alléluia, tout arbre servant des repères aux sorciers, servant des repères aux oiseaux de proie, que cet endroit soit neutralisé par la foudre du Saint-Esprit, soit neutralisé par la bombe du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, merci, que les bombes du Saint-Esprit neutralisent sur notre Dieu, tout arbre servant des repères, servant des repères aux sorciers, servant des repères aux occultistes, servant des repères aux magiciens, tout arbre servant des repères aux esprits maléfiques, que cet endroit soit neutralisé, tout endroit tendre père, servant des repères aux esprits maléfiques, que cet endroit soit neutralisé, que cet endroit soit bombardé par le feu du Saint-Esprit, par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je proclame ta victoire, je proclame éternel notre Dieu, ton règne, ton autorité, Dieu Tout-Puissant, merci, que tout lieu caché, tout lieu secret de la sorcellerie soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons neutraliser tout lieu caché de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur. Que tous les gars de la sorcellerie, n'est-ce pas? La sorcellerie, n'est-ce pas, de ta vie. Tout lieu caché de la sorcellerie de ton quartier. Bienvenue. Tout lieu caché de la sorcellerie de ta famille. Bienvenue dans le Seigneur. Que tout lieu caché de la sorcellerie s'élevant contre ta vie. Que ces lieux soient neutralisés. Bienvenue dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit expose ces lieux. Alléluia. Élevons encore nos voix tendrement. Alléluia, éternel notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Que tout lieu, c'est notre Dieu. Tout lieu caché de la sorcellerie de ma vie, la sorcellerie de ma famille, tout lieu caché de la sorcellerie, c'est notre Dieu, de mon quartier, soit exposé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu neutralise ces lieux. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, bienvenue, que tout, bienvenue dans le Seigneur, tout déplacement, bienvenue, des oiseaux de proie, les oiseaux de destruction, les oiseaux de sorcellerie, bienvenue dans le Seigneur, que tout leur déplacement soit anéanti. Bienvenue dans le Seigneur, que leur moyen de déplacement soit détruit, que leur moyen de communication soit coupé complètement au puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons invoquer, alléluia, le feu du Saint-Esprit pour détruire tout le monde de déplacement, bien dans le Seigneur. Alléluia. Les moyens de déplacement, bien-aimés, soient neutralisés. Les moyens de communication soient brisés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que ta maison soit invisible, qu'il soit frappé d'aveuglement, bien-aimés dans le Seigneur.
Alors, tous ceux qui s'élèvent, n'est-ce pas, pour attaquer ta maison, attaquer ta vie, attaquer ta destinée, qu'ils soient frappés d'aveuglement, béni. Tout le moyen de communication soit coupé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, béni. Commence à prétendre, Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, Dieu tout puissant. Merci. Je viens couper tout, c'est notre Dieu. Moyen des déplacements, des oiseaux dévoreurs, des oiseaux de proie. Tendre Père, que leur chemin soit ténébreux et glissant au nom puissant de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'est notre Seigneur qui sont chargés d'attaquer ma vie, de nuire à ma vie, à la vie de mon épouse, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, de nuire à la vie de l'église. Qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout puissant, merci. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'étourdissement, qu'ils soient frappés de confusion. Au nom puissant de Jésus, je proclame la confusion dans la vie de tous ceux qui sont chargés de nous attaquer. Alléluia, de manière visible ou invisible, dans le spirituel, tendre Père, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient dans la confusion totale au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont censés nous attaquer des jours comme des nuits, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, tendre Père, qu'ils soient dans la confusion totale, qu'ils soient dans la confusion totale, que leur moyen de communication soit coupé au nom puissant de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Dieu tout puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci éternel notre Dieu pour ta fidélité au nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, que le feu du Saint-Esprit neutralise, n'est-ce pas, bien, tous les sorciers, n'est-ce pas, utilisant, n'est-ce pas, bien, les oiseaux. Alléluia. Utilisant les hiboux, utilisant les chouettes, les chaïrois, bien aimé. Tous les sorciers, mais que ceux qui utilisent, n'est-ce pas, bien, ceux qui utilisent les oiseaux, bien, pour nous attaquer. Alléluia. Bien, que tous les agents de la sorcellerie, bien, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés au puissant de Jésus. Bien aimé, que le feu du Saint neutralise par les agents de la sorcellerie, utilisant bien aimé, les hiboux, utilisant les oiseaux, utilisant même les animaux, bien aimé, que les agents de la sorcellerie soient neutralisés, soient paralysés par le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, bien aimé, tout ce qui s'est transformé en oiseaux, en hiboux et autres, bien aimé, qu'ils soient neutralisés, paralysés par le feu du Saint-Esprit. Mais voilà, on commence à prétendre, Père. Nous élevons nos voix vers toi. Dieu tout puissant, nous proclamons ta victoire. Que le feu du Saint-Esprit neutralise les agents de la sorcellerie, utilisant les hiboux, utilisant, c'est notre Dieu, les chouettes, utilisant les chaïouans. Dieu tout puissant, que le feu du Saint-Esprit le neutralise au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, je proclame ta victoire. Je proclame ton règne et ton autorité. Le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit neutralise éternel notre Dieu. Alléluia. Tous les sorciers, les agents de la sorcellerie, les sorciers, les magiciens, les occultistes, c'est transformant, c'est notre Dieu, c'est métamorphosant, utilisant, c'est notre Dieu. Alléluia. Utilisant grand roi des neveux, que ce soit les projections astrales, c'est utilisant les animaux. Dieu tout puissant, qu'ils soient neutralisés, paralysés, qu'ils restent figés dans les mêmes animaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je neutralise éternel notre, les agents de la sorcellerie, les agents de la magie noire, les agents de la magie, les agents de l'occultiste, utilisant, c'est notre Dieu, les oiseaux, les animaux, que ce soit les animaux, pour nous attaquer. Dieu tout puissant, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, ceux qui se cachent à travers les oiseaux, ceux qui se cachent à travers les animaux, à travers les chiens, à travers les chats, qu'ils soient neutralisés, paralysés, au nom puissant de Jésus, que leurs attaques, je détruis leurs attaques soient neutralisées, parce qu'il est écrit dans ta parole, éternel, notre Dieu, il est écrit dans ta parole, c'est notre Dieu, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Alléluia, éternel, notre Dieu, il est écrit dans ta parole, que toute arme forgée contre moi sera sans effet, contre mon épouse, contre ma famille, contre ma maison, sera sans effet, au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Alléluia. Dieu tout puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir prier pour briser les cris. Les cris du hibou, bienvenue, symbolise, pas bienvenue, alléluia, annonce la mort prochaine. Mais nous allons prier, bienvenue, pour briser, bienvenue, les malédictions. Alléluia. Bienvenue, les paroles des sorciers. Nous allons les déclarer sans effet. Les paroles des sorciers, bienvenue, les incantations, bienvenue, le Seigneur. Le mauvais sort, les malédictions, bienvenue, des sorciers. Nous allons les déclarer sans effet au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, leurs décisions, leurs vœux, nous allons les déclarer sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Nul est non avenu. Alléluia. Mais nous allons briser leur complot. Parce que Dieu a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sur ton poids. Bien-aimés, que leur complot soit brisé.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Que leur complot soit brisé. Leur décision, béni soit le Seigneur. Il dit, toute langue se révélera justice contre eux, tu la condamneras. Béni, mais leurs paroles d'incantation, les mauvais sorts, les envoûtements, béni soit le Seigneur. Les paroles de malédiction, béni soit le Seigneur. Malédiction de destruction, malédiction de maladie. Béni, nous allons déclarer sans effet nul le non-avenu par la puissance du sang de Jésus. Proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. J'ai détruit toutes les paroles, les incantations prononcées contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre la santé de mon épouse, contre ma santé. Que les incantations soient brisées. Je brise les paroles d'incantation. Au nom puissant de Jésus, je viens briser les paroles, les incantations, les mauvais sorts, les envoûtements. Je les déclare sans effet. Nous le non-avenu. Au nom puissant de Jésus, les incantations, les envoûtements, les paroles de malédiction prononcées contre ma famille, prononcées contre ma destinée, prononcées contre mon frère, contre ma soeur, prononcées contre mes amis, tendre père, contre mes fioles, contre mes neveux, mes cousins, tendre père, mes frères et mes soeurs, Dieu tout puissant, je brise toutes ces paroles de malédiction, ces incantations, les cris des hiboux, tendre père, les cris de malédiction, les cris d'envoûtement, les cris de malheur, les mauvais sorts, je les déclare sans effet, nous le non-avenu, au nom puissant de Jésus, les cris des morts, je les déclare sans effet nul non avenu. Je neutralise tous les cris des morts. Les cris des morts soient neutralisés. Les cris des morts soient neutralisés, soient brisés. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser toutes les paroles d'envoûtement, les paroles de malédiction prononcées contre ma destinée, prononcées contre ma maison, prononcées contre ma famille. Les paroles de destruction. Destruction, c'est notre Dieu. À travers, même c'est notre Dieu, à travers les choses de la maison, je brise les paroles de destruction. Les inondations, les fuites d'eau, les infiltrations autres, soient brisées, soient neutralisées. Je brise la malédiction des dépenses au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Je brise les malheurs, malédiction des malheurs sur ma vie, sur ma maison, sur mes biens matériels, malédiction des malheurs, malédiction des accidents, malédiction des pauvretés. Je brise toute forme de malédiction venant du monde occulte. Ne le chantez pas, le chantre de la sorcellerie, chantez par les sorciers, chantez par les magiciens, chantez par les agents maléfiques, les agents sataniques. Je brise leur chant maléfique, leur chant mortuaire contre ma vie. J'annule tout leur chant mortuaire. Au nom puissant de Jésus, j'annule leur chant mortuaire. J'annule leur chant mortuaire. Je les déclare sans effet. Nul le non-avenu. Au nom puissant de Jésus, contre la vie de mon frère, les chants mortuaires, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, j'annule tous les chants mortuaires, les cérémonies mortuaires, les cérémonies funéraires. Tendre Père, je les déclare sans effet. Nul le non-avenu. Je me dresse contre les cérémonies funéraires. Je consume même les habits des morts, les habits des morts, les cercueils qui ont été préparé, je le déclare sans effet, nous le non-avenu, au nom puissant de Jésus, je neutralise le cercueil spirituel, le cercueil spirituel qui a été préparé contre ma vie, la vie de mon épouse, contre nos biens matériels, contre le ministère, le cercueil spirituel qui a été préparé contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, que ce cercueil soit consumé par le feu du Saint-Esprit, consumé, détruit, au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, que toute tombe qui a été creusée pour y enterrer mon frère, que la tombe, Seigneur, soit bouchée dans le, par le sang de Jésus. Je viens boucher toute tombe qui a été creusée pour y enterrer mon frère, pour y enterrer ma soeur, pour y enterrer nos biens matériels, pour y enterrer nos finances, pour y enterrer notre destinée. Tendre Père, que cette tombe soit maintenant bouchée complètement par le sang de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, tendre Père, pour le sang qui a été versé en Golgotha. Je proclame la vie. Je brise la puissance de la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens briser la puissance de la mort. Dieu tout-puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas maintenant t'élever contre la mort. Mais dans le Seigneur, la mort prématurée. Alléluia. La mort subite. Mais tu vas t'élever contre la mort. Et les esprits des morts, les esprits des cimetières. Mais les hiboux, parfois, ce sont les esprits des cimetières. Mais dans les esprits des morts, les esprits des ruines. Mais nous allons nous lever contre les esprits des cimetières. Les esprits des ruines, les esprits de l'enfer. Nous allons nous lever contre ces esprits. Nous allons les renvoyer, bien-aimés, dans leur milieu d'origine, dans le lieu aride, qui ne reviennent plus jamais au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Le vainqueur de Golgotha. Laisse-moi célébrer la grandeur de ton Seigneur. Laisse-moi proclamer ta victoire. Je me dresse contre la puissance de la mort. Je me dresse contre la mort prématurée, la mort subite, la mort brutale dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je brise la puissance de la mort, les attaques de la mort.
venant du monde occulte, venant du monde des cimetières. Je brise les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Je lis ces esprits. Je les renvoie dans leur milieu d'origine au nom puissant de Jésus. Je renvoie les esprits des cimetières dans le lieu aride. Qu'ils ne reviennent plus jamais au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce et de faveur. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise d'entreprendre la puissance de la mort prématurée, la mort brutale, la mort subite, la mort, c'est notre Dieu, dans le sommeil, la mort à travers les maladies, c'est notre Dieu cardiaque. Je brise la puissance de la mort à travers les maladies cardiaques, la mort soi-disant naturelle, la mort sponsorisée par la sorcellerie. Je brise la puissance de la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je neutralise d'entreprendre les enterrements qui ont été préparés dans le monde occulte, les enterrements préparés. Je brise les enterrements. Tendre Père, j'anéantis. Alléluia. Dieu déprogramme les enterrements qui ont été préparés dans le monde occulte. Je les anéantis, je les déprogramme, je les annule complètement. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le Dieu de victoire, lève-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci de manifester ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, je brise la puissance de la mort prématurée soit brisée. Alléluia. Je me dresse contre les esprits des cimetières, les esprits de l'enfer. Je les renvoie dans leur milieu d'origine, dans le lieu aride, qu'ils ne reviennent plus jamais au nom puissant de Jésus. Les esprits de l'enfer, les esprits de la sorcellerie, qu'ils ne reviennent plus jamais dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma maison, dans mon ministère, autour de moi. Que les esprits de l'enfer, les esprits des cimetières soient neutralisés, soient brisés. Que le feu de Dieu le neutralise, que le feu le brise au nom. J'envoie le feu de Dieu où il se cache tendre paix, d'où qu'il vienne, qu'il soit neutralisé, paralysé par le feu du Saint-Esprit, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, contre l'Église, au nom puissant de Jésus. J'envoie les esprits des morts, les esprits des cimetières, les esprits des ruines, les esprits de destruction, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, au nom puissant de Jésus. Dieu tout puissant, merci. Que les esprits des ruines soient neutralisés, soient brisés autour de l'Église, tendre paix, autour de l'Église. J'ai détruit les esprits des ruines, les esprits de destruction, au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Bénis dans le Seigneur, tu vas te lever, n'est-ce pas? Tu vas prier, dans le Seigneur. Alléluia. Bénis dans le que les oiseaux, bénis dans le Seigneur. Alléluia. Bénis que les oiseaux dévoreurs qui se dressent contre la vie, mais soient consumés. Alléluia. Les oiseaux dévoreurs, bénis, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus. Mais tu vas briser les attaques, n'est-ce pas, aux oiseaux dévoreurs. Les voleurs, commence à prier, commence à briser, commence à détruire, tendre Père. Et que Dieu te délivre, n'est-ce pas, des oiseaux dévoreurs, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire. Délivre-moi, tendre Père. Délivre-moi les poux des oiseaux dévoreurs. Les esprits des cimetières. Délivre-moi, tendre Père. Des oiseaux dévoreurs. Des oiseaux dévoreurs. Délivre mon frère, délivre ma soeur. Des oiseaux dévoreurs. Des sorciers, des magiciens, des occultistes. Délivre nos vies, tendre Père. Les dieux de la délivrance. Délivre ma vie. Délivre la vie de mon frère, délivre la vie de ma soeur, des oiseaux dévoreurs, de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de l'occultisme, des esprits des cimetières, délivre-nous tendre Père, les dieux de la délivrance, délivre ma vie des esprits des morts, délivre ma vie de la mort, délivre ma vie de l'enfer, délivre ma vie tendre des cimetières au nom puissant de Jésus, délivre ma vie tendre Père, des maîtres dévoreurs, délivre ma vie des oiseaux dévoreurs, délivre ma vie sur notre Dieu, des cimetières, délivre ma vie sur notre Dieu, à l'heure de la tombe, au nom puissant, délivre ma vie de tous celles que spirituelles dans lesquelles Seigneur Dieu a été enfermé, délivre la vie de mon frère et tout ce qui est spirituel, la vie de ma soeur, délivre nos vies tendre Père, la vie de l'Église, de tout ce qui est spirituel dans laquelle elle a été enterrée, délivre nos vies tendre Père, nous chassons les esprits des morts, esprits des morts autour de moi, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, que tout esprit des morts, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit maintenant chassé par le feu du Saint-Esprit, soit neutralisé par le feu de volant, soit neutralisé et chassé, mis hors de ta de nuire, au nom puissant de Jésus, chassé de ma maison, chassé de ma parcelle, chassé de mon ministère, chassé autour de moi, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Le Dieu de victoire, Seigneur, merci pour ta victoire. Merci, cher Saint-Esprit. Commence à venir à bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire. Saint-Esprit, merci pour la délivrance. Saint-Esprit, merci pour ta protection. Nous invoquons le feu. Et oh Saint-Esprit, que ton feu entoure ma vie, ma maison, que ton feu, alléluia, entoure ma parcelle, au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit autour de ma parcelle, le feu de Voran autour de ma parcelle, le feu du Saint-Esprit autour de ma parcelle, le feu de Voran, Dieu tout-puissant, merci, que ton feu, alléluia, que ton feu, c'est notre Dieu, entoure toute ma parcelle.
parcelle, devant, derrière, au-dessus, en tout, que le feu du Saint-Esprit, alléluia, couvre la parcelle de mon frère, la parcelle de mon frère, l'appartement tendre au Père, le lieu où vit mon frère, ma soeur, que le feu du Saint-Esprit couvre l'église, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Tendre au Père, que toutes les attaques de jour comme de nuit soient neutralisées, soient brisées, au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, merci, tendre Père. J'élève la voix pour détruire toute œuvre de ténèbres. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse l'heure sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié en scellant toutes nos prières dans le sang de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis bien dans le Seigneur. À très bientôt.